Je sors de congé mat, là. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont allongé le congé paternité de 14 à 28 jours. Bon, c'est chaud, hein, de s'occuper de deux personnes à temps plein, là, pendant un mois. Oui, non, mon mari n'en branle pas une, hein. C'est historique, ça date pas des enfants. Je sais pas s'il y a des femmes qui sont concernées un petit peu par ce problème. Voilà. Voilà, les autres, clignez des yeux, clignez des yeux. Après, on va pas se mentir, hein, l'avantage d'avoir un mari aussi feignant, aussi désorganisé, c'est qu'il ne demandera jamais le divorce, hein. Non, mais c'est trop compliqué pour lui, hein. Il va recevoir les premiers formulaires CERFA, il va faire « Oh putain !» Non, bah laissez tomber, hein. Je peux plus la blairer, mais j'ai pas d'imprimante, donc... Non, mon mari a une bonne excuse, il dit qu'il a la phobie administrative, voilà. Ah oui, 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 applaudissez un peu ceux qui ont la phobie administrative. Oui, voilà. Eh ben, crevez bien en enfer, en fait, hein. Ça n'existe pas. Voilà, vous n'avez pas un vrai problème, vous avez juste baissé les bras, c'est tout. Mon mari, il me regarde, il me fait « Non, mais je fais pas les papiers parce que c'est ton truc. » Ce n'est pas mon truc, d'accord. Ce n'est le truc de personne. Personne n'a jamais appelé la CAF en faisant « Non, tu raccroches toi d'abord. Non, toi d'abord. » C'est insupportable. »